guess he too, you know. A lot of me not at all. Je suis victime lors de la manifestation du 29 juillet 2020. Je quittais à côté mon lieu de service. Je rentrais à Conakry ce jour. J'ai trouvé ces manifestants. Ils ont barré la route. On a tout fait pour les faire comprendre, pour qu'ils puissent nous laisser passer. On les a plaidés à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu. Et finalement, il avait des larmes blanches. Il y avait un individu qui m'a attaqué directement. Il m'a blessé au même à deux reprises. Le sac qui était sur moi ce jour, ils ont pris mon ordinateur, mon téléphone. Et téléphone en ligne, il y avait des quatre dossiers civils qui devaient venir à la cour d'appel ici. Et j'ai tout apporté. Et bien avant l'organisation de la manifestation, le comité qui est chargé de l'organisation, il a pris l'engagement qu'il n'y aura pas de trouble à l'ordre social. Si ces choses ont été passées comme ça, c'est eux qui sont responsable de ce fait. Parce que ni était même leur appel, même si il aurait l'insurrection, ni était leur appel, ceci là n'est pas sorti. Est-ce que ce sont ces personnes qui sont responsables de ce que vous avez reçu, ou bien les organisateurs? Bon, monsieur, selon la loi, les organisateurs sont civilement responsables en cas de l'ordre à cas de trouble à l'ordre social. Parce qu'ils ont tenu l'engagement qu'il n'y aura pas de trouble à l'ordre social. Et si les choses ont été passées comme ça, c'est à eux qu'on les responsabilise. Vous avez eu le temps de lire l'article 525, alinéa 3. Les membres du comité d'organisation sont civilement responsables des infractions résultant de l'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent. C'est ça? C'est sur la base de cette disposition-là que vous avez esté, vous êtes constitué partie civile. Mais est-ce que vous savez que cet article s'applique quand les autorités ont accepté d'encadrer une manifestation? Lorsque la manifestation, on n'a pas besoin d'autorisation, hein. Nous sommes dans un régime déclaratif. Quand les autorités sont de bonne foi et veulent laisser les citoyens exprimer leur opinion, est-ce que vous savez que c'est en ce moment que ce statut s'applique? Hein? D'accord. Le législateur a voulu dire que lorsque une manifestation est déclarée, et elle suit son itinéraire, parce qu'ici on a transformé la déclaration en autorisation. Les organisateurs sont tenus civilement responsables des débordements, des incidents qui interviennent. Mais le plus souvent, est-ce que vous savez, quand les autorités ne violent pas elles-mêmes la loi et que la manifestation se tienne, est-ce que vous savez qu'elle est toujours pacifique? Merci. On dit que les organisateurs sensibilisent et éduquent les militants afin de tenir la manifestation. S'il y a eu maintenant des violences, mais c'est le comité d'organisation. Il ne peut y avoir d'organisateur que lorsque les communes prennent leur responsabilité pour sécuriser, pour la force publique, pour sécuriser une manifestation pacifique. Confirmez-vous que c'est vous qui avez fait appel à cette marche? J'ai répondu à cette question. Donc, vous ne pouvez pas de minutes de silence. Je vous remercie, monsieur. Vous ne soutenez pas ma démarche, monsieur le représentant de la société. Je vous remercie, monsieur le président. Je voudrais savoir si c'est confirmé que c'est vous qui avez fait appel à cette manifestation.
vous avez fait appel à cette manifestation. Vous confirmez que ce sont ces manifestations qui ont provoqué qui ont eu à travers les personnes que vous avez fait appel, ont commis des dégâts, ont détruit les terres publiques et privées, vous confirmez. Non. Vous confirmez également que c'est à travers votre appel qu'il y a eu des coups de blessure, des citoyens ont été financés. Non. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est fait pour lesquels ces personnes sont poursuivies sont consécutifs à leur appel à manifestation pour les 28 et 29 juillet 2020. Monsieur le Président, on ne dirait pas mieux. S'il est vrai qu'ils ont sollicité ces manifestations en déposant des lettres d'information, pour cela, il n'en demeure pas moins que ces manifestations ont été formellement interdites. Au lieu de suivre la voie normale, comme eux-mêmes se définissent comme aujourd'hui la démocratie, de la bonne gouvernance, ils n'avaient qu'à attaquer cette décision par la voie administrative. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont bravé les politiques. Ils ont maintenu ces manifestations. Et la conséquence, Monsieur le Président, ces manifestations ont été émaillées de violence. À Conakry et dans les autres banques. Cela a enregistré des blessures, des fractures. Monsieur le Président, il y a aussi eu destruction des biens publics. Tout cela, tout ces faits, comme je le disais tantôt, pouvait être évité si ceux qui ont appelé à la manifestation avaient obtempéré aux exigences de l'autorité administrative qui avait été appliquée. Certes, ce n'est pas la première fois qu'on brave l'autorité de l'État en République. Nous voulons. Cela a commencé depuis 2019. Mais comment le petit force doit rester à la loi quand on agit et que son agissement entraîne des conséquences fâcheuses, devait être interpellé pour pouvoir répondre de ses cas. C'est la raison pour laquelle sont par le vent pour être conformément aux dispositions législatives en cours en République. Monsieur le Président, on n'en dira pas mieux. On peut faire un tour la statistique de ce qui est arrivé ces jours-là. Monsieur le Président, 62 gendarmes ont été blessés, dont 14 ont subi des fractures. Il y a 9 agents de police ont aussi été blessés.
14 blessés graves. Par rapport aux destructions, en cours de l'homme, 28 pick-up de la CMIS ont été ramassés, dont un a été complètement brûlé. Il y a aussi, comme matériel, des talkie-walkie et des piliers qui ont aussi subi le même sort. En termes de talkie-walkie, en ce qui concerne la gendarmerie, il y a eu 15 qui ont été. Quand on prend le matériel pour la aussi de la gendarmerie endommagé, il y a eu 40 chutes qui ont aussi subi les dommages. À ce niveau aussi, un a été complètement brûlé. Monsieur le Président, dans la furie des manifestants, la brigade de la gendarmerie territoriale de Bambéto a aussi fait un prêt. Ça a été complètement saccagé. Ce sont des dommages qui ont été causés à l'État. Ces matériels dont on parle, ce sont les biens de l'État. Payés ou réalisés auprès des contribuables. Nul ne doit avoir la prétention de les détruire. Prendre sur lui la responsabilité pour n'importe quelle raison d'inciter les citoyens à les détruire. Monsieur le Président, quand on agit, on doit pouvoir assumer. Par devant vous, et ce n'est pas. Ils ont reconnu avoir quand même appelé à la manifestation, chose qu'il faut apprécier à sa disparition. Ces jours, eux-mêmes ne sont pas restés chez eux, ils sont sortis pour manifester. Cela aussi est apprécié. Ayant agi ainsi, s'il est vrai que le but pour lequel ils ont fait leur appel n'a pas atteint, que je le fais escompter, il n'en demeure quand même pas moins que de par leurs faits et gestes, il a eu des dommages. On doit les tenir responsables. Dans la démocratie, il peut y avoir pluralité d'opinions. Mais on doit se réunir quand même autour de l'essentiel. Démocratie n'est pas synonyme d'exception. Revendication n'est pas synonyme d'aller dans tous les sens, de faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. Quand même pas sans savoir, nous sommes plus de 13 millions de Guinéens. Si un petit groupe prend la responsabilité sur lui, de penser que seules ses revendications sont légitimes, en lui et place d'une majorité, ça
peut quand même pas nous faire avancer. Monsieur le Président, il faut tenir compte de tout cet état de fait pour que la décision que vous allez prendre puisse avoir un effet pédagogique pour dissuader ce qui pourrait être tenté de s'aventurer dans de tels domaines. Parce que si on le fait ainsi, nous nous écartons de façon dramatique de ce qui est même l'essence de la démocratie. Il faudrait que nous puissions agir, mais de façon raisonnable et réfléchie, en sachant que les actes que nous posons, nous pouvons être appelés devant qui de droit à assumer les conséquences. La journée du 28 et jour suivant, cela est une conséquence de leur appel à la manifestation. Ils ne peuvent pas se dévoiler de ce qui est arrivé ce jour, soit de par leur fait personnel, ou de faire des personnes qu'ils ont appelé à agir, pour les fautes desquelles ils doivent répondre ici et maintenant. Monsieur le Président, on vous a demandé à un moment donné de réqualifier les faits. Dans l'un ou l'autre, que vous les usiez selon les faits articulés dans l'ordre de transport. Ou en réqualifiant les faits, cela n'enlève à rien les dommages qui ont été commis le jour des manifestations et pour lesquels nous les tenons pour responsables. Donc, en tout cas, le cours doit être condamné de façon solidaire pour la réparation des préjudices que l'État guinéen a subis de par leur fait et fait. Monsieur le Président, ceci dit, en tant que parti civil, ce qui nous intéresse, c'est la réparation sociale. Nous n'avons aucun doute par rapport à leur culpabilité qui sera démontrée par qui de droit. Par qui de droit, je le disais, Monsieur le Président, mais en ce qui nous concerne, puisque nous avons suivi un prédimus pour lequel nous sommes partis devant vous, nous allons solliciter trois hommes de manque de plaisir. Condamner de façon solidaire M. Ibrahima Diallo, M. Seydou Yaya Bari et M. Omar Siva. Pour le paiement de la somme de 20 milliards au profit de l'État guinéen représenté par la justice de l'État pour les prisonniers subis par les faits et gestes des prisonniers par le monde. Les manifestations ont commencé déjà à la veille, c'est-à-dire le 27. Et ce sont
sont là les raisons fondamentales qui ont amené les autorités établies. Je vais encore y revenir. C'est par la volonté divine que colonel Mamadi Doumbouya est aujourd'hui président. Je reste ferme sur cette conviction parce que sans cette volonté divine, il ne peut jamais être président de ce pays. Fut-il président de la junte, fut-il président du CNRD, toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui préside aux destinées de notre pays. Et à cet égard, Monsieur le Président, je reste attaché aux fondamentaux religieux aussi. Nous avons l'impérieux devoir de respecter les décisions prises par ces autorités. Et si, tant soit peu, nous sommes amenés à les contester, nous sommes obligés de le faire avec la forme. Monsieur le Président, la deuxième partie de mes réquisitions portera sur la démonstration puisqu'ils sont poursuivis pour des faits. Alors, je démontrerai dans la deuxième phase de mes réquisitions le droit, les faits et le droit applicable, Monsieur le Président. Ils sont tous poursuivis pour des faits de participation délictueuse à un attroupement. Ces faits sont prévus par la disposition de l'article 527 du Code pénal, mais également ils sont poursuivis pour la complicité de coups et blessures volontaires, la complicité prévue par l'article 19 du Code pénal, destruction de l'office public prévue par l'article 523 du Code pénal, mais également, Monsieur le Président, ils sont poursuivis pour les faits de complicité de coups et blessures volontaires et la complicité de bien oublier les dispositions relatives à ces faits et de coups et blessures volontaires, Monsieur le Président, prévues par les dispositions de l'article 209 du même code. Monsieur le Président, puisqu'il y a trois prévenus et qui ont été renvoyés devant votre tribunal, ma pédagogie se fera démonstration par prévenu. Et c'est pourquoi je vais commencer par M. Fonike Menguer. Par M. Fonike Menguer, Oumar Silla Fonike Menguer, M. le Président. Il est, M. le Président, poursuivi pour des faits de participation délictueuse à un attroupement. Au terme des dispositions de l'article 527 du Code pénal, constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après consommation de se disperser, rester sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article suivant. Le fait par celui, Monsieur le Président, qui n'est pas porteur d'une arme de continuer volontairement à participer à un attroupement, après la sommation est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou l'une de ces deux personnes. Monsieur le Président, Monsieur Ouman Sina Duponikemenge est poursuivi également pour ses faits. Et ma démonstration d'abord est de savoir est-ce que les faits et d'attroupement sont établis. Est-ce qu'il y a des faits qui sont imputables? Et par conséquent, que va requérir par rapport à la peine, Monsieur le Président? L'attroupement, Monsieur le Président, suppose, pour qu'il soit remis, la réunion au moins deux personnes sur la voie publique et à l'effet de troubler l'ordre public, Monsieur le Président. Alors, dans le cas d'espèce, M. Fonike Menguer, ce jour, il a déclaré devant votre tribunal
bien avant la date du 28, il a fait appel à une manifestation, à un attroupement, monsieur le président. Et cet attroupement, cette manifestation était interdite par les autorités compétentes. Il a reconnu devant votre tribunal, monsieur le président, que ce jour lui-même il était sorti. Mais à un temps voisin, il s'est retourné à la maison par le fait d'être dissuadé par les forces de défense et de sécurité. Alors, la question qui se pose, est-ce que les personnes qui étaient dans cet attroupement, ils faisaient partie? La réponse du ministère public, monsieur le président, c'est non. Ils n'étaient pas dans le groupe, de ces personnes qui constituaient cet attroupement. Mais monsieur le président, il a, par un appel qu'il a fait, bien avant la manifestation, à travers la presse, à travers les courriers, et lui-même s'est déplacé pour aller voir les différents points de ralliement, monsieur le président, par son comportement et par son agissement, il tombe sous le coup de l'article 632 du Code pénal, et qui parle de la provocation directe à un attroupement, monsieur le président. Quand dit l'article 632, toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par des cris ou de discours publics, soit par des écrits affiches ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission, d'écrit ou de parole, ou de l'image est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an si elle a été suivie d'effet. Et dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens pour l'une de ces deux peines seulement. Monsieur le Président, l'appel que M. Fonique Menguer a fait par le droit de presse, par le droit de déplacement pour aller voir les différents points, en réalité, ces faits sont constitutifs de provocation directe à un appel. Monsieur le Président, mais un attroupement armé, puisque à la lumière des débats, l'une des parties civiles a comparu devant vous et il a clairement dit que ce jour, il a été victime de coups et blessures à l'aide des armes. Quand on parle d'armes, Monsieur le Président, le couteau est une arme. Une paire de ciseaux est une arme. Alors, les personnes qui étaient dans cet attroupement munies de ces armes, n'est-ce pas, elles rentrent dans la qualification d'attroupement armé. Monsieur le Président, toute provocation directe faite par M. Fonique Menguer à cet attroupement, et cet attroupement a eu pour effet, Monsieur le Président, immédiat, pour les blocs. Il y a eu un effet également qui a été joué. C'est pourquoi, Monsieur le Président, et nous vous demandons très respectueusement de requalifier les faits de participation délictueuse à un attroupement, initialement reconnu construit, requalifier ces faits en des faits de participation, de provocation directe à un attroupement armé. Par conséquent, de retenir pour ces faits, monsieur le président, conformément aux dispositions de l'article 632 du Code pénal. Monsieur le président, par rapport aux faits de participation délictueuse, aux faits de recours, de complicité, monsieur le président, de coups et blessures volontaires, monsieur le président, c'est quoi la complicité? C'est pourquoi je vous fais lecture de la disposition de l'article 19 du Code pénal qui prévoit qui règle la question. La complicité, monsieur le président, est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou un délit dont un autre a un auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit
sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. L'article 20, monsieur le président, sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou de délit, ceux qui, pardon, promesse, abus d'autorité, de pouvoir, de machination, d'artifice, provoque de ce fait ou donne des instructions pour le commettre. Monsieur le président, je vais me limiter pour gagner en temps. C'est cet alinéa qui nous intéresse, qui intéresse le ministère public dans ses réquisitions. Monsieur le président, vous n'êtes pas sans savoir, puisque nous sommes dans le prétoire, que la complicité, alors, pour qu'elle soit, pour que, et, qu'il soit, et qu'elle soit établie, il faut un fait principal punissable. Un fait principal punissable dans le dossier de l'espèce, monsieur le président, dans le fait de la cause, nul parti à ce procès ne conteste qu'il y a eu des coups. Monsieur le volontaire. Monsieur le président, ces faits ont été matérialisés par des pièces qui sont versées au dossier de la procédure. Il y a, et je viens de vous énumérer, les forces de défense et de sécurité qui ont été victimes de coups et blessures volontaires. Au niveau de la gendarmerie, il y a 62 gendarmes qui ont été blessés, dont 4 fracturés. Au niveau de la police, il y a 29 agents blessés, dont 14 très graves. Et à cela s'ajoute M. Cadeau qui a comparu devant votre tribunal et il vous a prouvé qu'il a été effectivement victime de vos émotions. Alors, le fait principal, vous le savez, M. le Président, à travers ces éléments, et il y a sans doute tous que ces faits existent, ont été commis, M. le Président. Et la complicité, M. le Président, suppose quoi également? Suppose un auteur principal. Certes, ils ne sont pas les auteurs principaux, monsieur le président, mais la complicité, il y a dans trois sortes. Il y a la complicité par instigation, la complicité, monsieur le président, par instruction, et il y a la complicité par provocation. Dans le cas d'espèce, monsieur le président, c'est la complicité par provocation. Pour coller à M. Oumar Sylla pour les Québécois. Monsieur le Président, qu'est-ce qui justifie la complicité par provocation? Le fait de par peu de provoquer par des appels, par des mobilisations à cette manifestation. Et il le savait, Monsieur le Président, des effets qui pouvaient en résulter la commission de cette infraction, puisqu'il n'était pas à sa première fois d'organiser des manifestations. Chaque manifestation que le FNDC d'alors organisait était émanée de ces différentes infractions qui sont soumises à votre analyse. Monsieur le Président, il y a une provocation, une complicité par provocation. Il savait, Monsieur le Président, que cette infraction allait être commise. Et c'est ce qui a été fait, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, et convient très respectueusement également de retenir pour des faits de complicité, pour avoir provoqué la commission de ces faits soumis à votre tribunal et qui le sont reprochés. Également, Monsieur le Président, la complicité de la destruction de l'édifice, c'est la même démonstration que je vais vous faire. Il a provoqué et la brigade de gendarmerie de Bambeko, monsieur le président, a été complètement saccagé, un édifice public. Et monsieur Foniké Mengue, au moment où il faisait appel à cette manifestation, il savait les conséquences qui allaient en résulter, monsieur le président. Cet appel est une provocation. Est une provocation. Alors, une complicité par provocation également, monsieur le président. Quant à monsieur Ibrahim Diallo, monsieur le président, et il est également poursuivi pour des faits de participation délictueuse à un attroupement et à l'analyse des faits et des débats contradictoirement, et les faits discutés contradictoirement devant vous, il ressort des débats
que les faits de participation ne peuvent pas être imputables, mais plutôt les faits de provocation directe d'un attroupement prévu par l'article 632 et qui convient de le retenir également pour ces faits. Et quant à la complicité également de coups et blessures volontaires, il convient également de le retenir pour les faits. Au regard des mêmes démonstrations que je viens de faire quant à la personne de M. Koumar Sinafoni-Kemenguer, il conviendra, M. le Président, de faire voir les mêmes démonstrations à l'encontre de M. Ibrahima Diallo, puisqu'il a provoqué, il a causé une complicité par provocation et qui a conduit, M. le Président, à la commission des faits, dont les auteurs principaux ont commis l'acte matériel de l'infraction suffisant. Monsieur le Président, quant à M. Sekou Yaya Bari, qui n'a pas comparu également, bien qu'il a été entendu devant le juge d'instruction, et à laquelle prévient devant le juge d'instruction également, il conviendra très respectueusement également de le retenir pour les différents les chefs de poursuite, notamment pour les faits de provocation, puisqu'il est allé dans les médias, M. le Président. Il a incité à la manifestation, il a provoqué un attroupement, une provocation directe à un attroupement armé, et qui a conduit des faits immédiats le jour de la manifestation et les jours qui l'ont suivi. Il a provoqué également, il a fait également la complicité de provocation, puisque l'appel qu'il a fait, il savait les résultats, notamment la commission des infractions, monsieur le président. Combien également de le retenir pour ce fait. Monsieur le Président, et c'est pour vous dire que les faits, notamment les faits de participation à un attroupement, de l'étude à un attroupement, nous vous demandons très respectueusement de requalifier en effet de provocation directe à un attroupement et de retenir également les faits de participer de complicité de causes et blessures volontaires, mais également de faits de complicité de destruction de biens publics et privés. Monsieur le Président, le ministère public voudrait en peu de mots et dire ceci. Les personnes qui sont devant le tribunal, Monsieur le Président, ne sont pas leur première fois de comparaître devant les juridictions de ce pays pour les mêmes faits. Ils ne sont pas des délinquants primaires. Ils ont comparu une fois, deux fois, pour les mêmes faits. Et ils ont été condamnés, Monsieur le Président, devant les juridictions de ce pays. Cela voudrait dire que les peines prononcées n'ont jamais eu d'effet. Quant à la réinsertion de ces personnes qui sont devant nous. Ils continuent à braver la loi, Monsieur le Président. Ils continuent, Monsieur le Président, à dire qu'ils sont au-dessus de la loi. Avec une arrogance, Monsieur le Président, même devant votre tribunal. Mais j'ai salué votre sérénité, votre dextérité. Hier, quand on vous dit que votre tribunal, que ce débat, que c'est un procès politique, que c'est une mise en scène, Monsieur le Président, un citoyen qui se dit pro-démocratique, Monsieur le Président, doit respecter les institutions de son pays. Avec une arrogance, ce ne sont pas son dessus de la loi. Ne pense pas aux effets des manifestations. Ils le savent que ça doit résulter, mais ça ne dit rien. Ce qui le prend, Monsieur le Président, c'est de dire qu'il y a tel mort. Nous sommes à 20e mort. Nous sommes au 15e mort. Monsieur le Président, c'est les enfants qui sont. Qu'on tire de l'affection de leurs parents. Il faut qu'ils le comprennent. Ils sont guinéens comme nous. Personne n'est contre ces premiers qui sont devant le tribunal. Mais au moins, Monsieur le Président, il faudrait dire que l'État a des pouvoirs d'organiser. L'État a des pouvoirs d'organiser, Monsieur le Président. L'État a des règlements de police que tout souverain doit respecter. Quand l'État dit je vous interdis, je vous défends, je vais décider de dire ça. Quand un acte administratif porte grief, Monsieur le Président, pour respecter l'acte administratif, il
vous faites un recours pour excès de pouvoir. Papa vous permet. Nous avons étudié ce cours en droit administratif. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que ces problèmes doivent comprendre que l'État, dans son fonctionnement, a des mesures d'autorisation en matière de manifestation. L'État peut autoriser, il peut interdire, il peut limiter les manifestations. Il faut qu'il le comprenne. Il faut qu'il le comprenne. Quand l'État vous dit que vous ne devez pas manifester, aujourd'hui on est en train de, Monsieur le Président, dire que les autorités de maintenant, je ne suis l'avocat de personne. Mais quand on dit que l'autorité de maintenant, Monsieur le Président, nous sommes tous soumis à cette autorité pour le moment. Puisque cette autorité, Monsieur le Président, a prêté serment devant toutes les, devant les institutions de notre pays. Les lois, Monsieur le Président, restent telles et tous les citoyens doivent être soumis à ces lois, Monsieur le Président. Ce n'est pas eux, permanemment, vous voulez qu'ils m'aiguent, permanemment, Ibrahim Diallo, qui conduisent les enfants des gens dans la rue. Les conséquences ne détruisent rien, Monsieur le Président. Il faut que cela cesse. Ce procès, comme l'a dit un avocat de la partie civile, a un côté pédagogique. Il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils usent des voies de loi, des voies de retour produites par la loi. Quand l'autorité refuse une manifestation, l'article 623, dernier alinéa très clair, vous saisissez les autorités judiciaires. Monsieur le Président, nous, on ne prend pas une autorité. Sur ce, Monsieur le Président, je voudrais, par exemple, faire cette politique pour que cette pédagogie dans les fonctions du ministère public. Mais sur ce, je vous demande très respectueusement qu'il vous plaît très respectueusement de retenir, requalifier les faits de participation délictueuse à un attroupement à des faits de provocation directe à un attroupement armé et retenir également pour des faits de complicité de coups et blessures de destruction de l'infrastructure. Je veux parler de M. Ibrahim Diallo, de ce secteur. Monsieur Kouma Sifrafouni Gemengue, Monsieur Sekouya Yabari, et sous l'action publique, Monsieur le Président, vous les condamnerez chacun à 2 ans de prison assortie de ceci. Et tout en vous demandant très respectueusement de faire application de l'article 117 du Code pénal, il y a 2 ans assortie de ceci, et au paiement de chacun de 2 millions de francs guinéens d'amende. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez la mieux celle du site de commerce. Monsieur Oumar Sika et Monsieur Sekouya Yabari font l'objet d'une procédure de comparaison par le gouvernement pour des faits, dit-on, de participation délictueuse à l'attroupement. Monsieur le Président, pour que cette infraction soit constituée, nul besoin de faire un dessin. Il faut des éléments de sache. Il n'a été jamais rapporté. En tout cas, c'est pas qu'il y a eu des types de formation. Vous demandez à ces personnes qui, selon eux, s'étaient regroupées de manifestation de quitter les pays. Si cela n'est pas prouvé, on ne peut en aucun cas parler de cette situation. Mieux, Monsieur le Président, ceux qui comparaissent par le nom n'ont pas été interpellés parce qu'ils étaient sur la voie publique. Ils n'ont pas été interpellés en étant avec d'autres personnes qu'on qualifierait d'auteurs parce qu'eux, ils comparaissent par le nom de vous, donc ils sont des complices. Monsieur le Président, aucune preuve n'a été rapportée à cette part pour dire qu'ils ont donné des instructions à un groupe de personnes d'aller détruire
encore moins privée. Monsieur le Président, aucune preuve également n'a été rapportée par vous que ces messieurs ont été en complicité avec d'autres personnes pour porter des coups et des blessures à des individus. Le ministère public, qui prie par son absence dans ce cadre, monsieur le président, parce que je n'ai pas à le rappeler, qui poursuit à charge et à décharge. Quand il n'y a pas d'élément, on poursuit à décharge. Je n'ai pas à lui enseigner parce qu'il connaît ce qu'il fait. Et donc, ce qu'il vous demande, il le fait à dessein. Il le fait parce qu'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'autre chose. Il se dit qu'on là, il faut les condamner, il faut les guérir dans ce sens. Même quand il n'y a pas d'élément, même quand il n'y a pas de preuve. Et cette solution ne participera pas à cette phase, monsieur le président, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Qualifier les faits. Monsieur le Président, votre tribunal ne prêtera pas le flanc. Nous sommes là aujourd'hui parce que ceux qui nous gouvernent encore une fois, monsieur le Président, disent qu'ils sont venus rompre avec les habitudes du passé. Mais fort malheureusement, nous sommes ancrés plus que jamais dans ce que nous subissions avant, monsieur le Président. Avant le 5 septembre, ces messieurs ont été attrapés devant les juridictions guinéennes pour les mêmes faits. Mais quand même, on a eu le courage de venir devant le peuple guinéen en 5 septembre pour dire stop, c'est fini. Et aujourd'hui, nous sommes des artisans de ce que nous condamnions le 5 septembre. Quel est le message qu'on veut adresser à ces personnes? C'est de leur dire que votre combat n'a pas lieu d'être. C'est de leur dire que la Guinée ne mérite pas qu'on se batte pour elle. On a demandé qu'on est venu rompre avec tout. Mais si nous revenons mieux armés, que ceux que nos prédécesseurs, à quoi ça sert leur existence? Je me pose la question, monsieur le président. Le 5 septembre, est-ce qu'il le fallait? Ce n'est pas ceux qui nous enlèvent de rompre, monsieur le président, mais ce sont les conséquences encore du 5 septembre qui nous poussent à être par le rendre aujourd'hui, monsieur le président. Si nous avons décidé de ne plus faire ce qui était mauvais, nous devons prendre la mesure de la chose, monsieur le président. Ces messieurs comparaissent par le grand vous. Selon eux, vous devez faire une manifestation, appel à manifestation. Mais ce qu'on ne vous dit pas, monsieur le président, c'est l'hygiène. Le FNDC d'avant, d'aujourd'hui, l'hygiène. Et c'est le moment de le dire. Quand quelqu'un gêne, on l'écrase. Mais ce qu'ils oublient, en voulant écraser, on lui donne de la force, monsieur le président. Parce que la Guinée est devenue la risée de tout le monde. Nos décisions font la risée de toutes les autres parties de l'économie. On a honte parfois de dire qu'on est juriste. On a honte de déclarer qu'on est magistrat dans ce pays. On a honte parfois de dire que nous sommes des avocats. Parce que ça, ceci, c'est une honte, monsieur le président. Kidnapper des personnes, les maintenir par la force, parce que nous sommes forts pendant 9 mois, les libérer parce que nous avons encore la force de les libérer illégalement, monsieur le président, et venir dire que nous faisons confiance à la justice. C'est tout, monsieur le président, c'est le décor. Il n'y a pas d'autre fait. J'ai plus de force que vous. Je vous maintiens sous moi. Je vous donne la pitance quand je le veux. Je vous permets de respirer quand je le veux. Et je vous
faire quand je le veux. C'est la vie d'aujourd'hui, malheureusement, monsieur. Malheureusement. Et personne n'est épargné. Aujourd'hui, les meilleurs avocats de l'État, de la partie civile, sont à court d'argument de nouveau, monsieur. Parce qu'hier, ils dénonçaient les mêmes choses. Aujourd'hui, ils encouragent la même chose. C'est difficile parfois d'être avocat. Parce qu'il faudrait quand même prendre. Monsieur le Président, le ministère public n'a rapporté aucune preuve à cette part que ces messieurs constituent une menace pour la paix, pour la quiétude sociale. Ils ne peuvent juste pas vous dire, Monsieur le Président, qu'ils nous dérangent. On veut juste les caser quelque part pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. Alors que même étant à la maison centrale, ils ont dérangé ce pouvoir. C'est ça la raison. Ils ne peuvent pas le dire, parce que s'ils le disent, on dira que c'est une incitation. Heureusement, certaines personnes, Dieu les a investis pour pouvoir le dire. Ils peuvent le dire et apporter et dirigent le pouvoir. C'est ma mission aujourd'hui. Monsieur le Président, on dit que des agents ont été blessés. Des pick-up ont été endommagés. Des personnes ont perdu la vie. Vous ont-ils rapporté la moindre preuve, la plus petite vidéo d'une seconde des pick-up qui ont été blessés? Des agents qui ont été maltraités, monsieur. Des armes qui ont été utilisées. Nous sommes au 21e siècle, monsieur le président. Et les vidéos circulent. Tout est numérisé, monsieur le président. Tout ce qui s'est passé se retrouve sur les réseaux sociaux. La manière dont ils ont été interprétés, jusqu'aujourd'hui, nous avons tout, monsieur le président. Mais le ministère public ne va pas vous le prouver. Il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas d'éléments, monsieur le président. Il est difficile parfois de soutenir l'insoutenable. Parfois, il est difficile d'être de l'autre côté. On a loué le courage de ces braves personnes parce qu'on n'a plus rien à dire. Tout en disant de penser à leur famille, ils pensent à leur famille, monsieur le président. Ils se disent qu'ils peuvent être le sacrifice pour un lendemain meilleur de toute la population humaine. C'est pas la souffrance de leur petite famille qui peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. La conviction quitte ce pays. Peu de gens ont la conviction dans ce pays. Parce que nous sommes affamés, monsieur le président. Il faut oser le dire. Quelqu'un d'affamé ne peut pas avoir. Celui qui te nourrit, te dicte la loi, monsieur le président. C'est ça la vérité. Eux, ils sont à l'abri de ça. Ce n'est pas la faim qui peut les freiner. Ce n'est pas le manque d'eau qui les freine. Ce n'est pas la souffrance de leurs épouses qui les freine. Ni les pleurs de leurs enfants, monsieur le président. Ils ont la conviction que cette Guinée doit changer. Et que c'est la jeunesse qui doit être à la base de ça. Nous ne devons pas être une jeunesse qui se pervertit. Une jeunesse qui est vendue. Nous, la preuve est que c'est la jeunesse qui vous juge aujourd'hui. Refusons cela, monsieur le président. Ne soyez pas le tremplin. Ne soyez pas la passerelle pour l'injustice. Refusez cela, monsieur le président. Pour tout l'ordre, refusez. D'autres sont au sommet aujourd'hui parce qu'ils ont libéré ces personnes. Ils veulent que vous les condamnez pour que vous soyez vous à la maison centrale demain, mais refusez cela. Qu'on ne se serve jamais de vous, monsieur le président, mais refusez cela avec la dernière énergie. Le cas de témoigner est une école. D'autres ont rédigé des centaines de pages dans ce pays-là.
on vous nourrit, on vous loge, on vous habille, monsieur le président, pour que nous soyons égaux devant la loi, alors que personne ne vous induise en erreur, monsieur le président. Personne. Je sais que ce tribunal, j'ai la ferme conviction, monsieur le président, que ce tribunal ne jouera pas ce jeu. Non. Ce qui était normal avant-hier est normal aujourd'hui et sera normal demain. Quand nous nous battons pour la justice, quand nous refusons d'être instrumentalisés, mais refusons cela, monsieur le président. Il y a d'autres qui veulent rouler sur l'or aujourd'hui. Demain, ils vont finir très mal. Mais la Guinée, nous avons de l'histoire à foison, monsieur le président. Nous refusons juste de faire un pas en arrière que de voir ce qui se passe. Nous sommes dans un tribunal aujourd'hui qui juge des anciens militaires, monsieur. Ça doit être une leçon pour nous. Le CNRD. Le CNDD, j'allais dire, à tous ces représentants qui comparaissent dans la salle de l'audience. Cela doit être une instruction, monsieur le président, pour tous les Guinéens. On doit enseigner cela à nos enfants. Mais si nous voulons que ce soit nous seulement qui tirons la gloire et que les autres doivent faire le sale boulot, excusez-moi le terme, nous avons encore. Et là, nous mêmes sommes, parce que nous ne voulons pas la vie. Monsieur le Président, je vais passer deux jours à citer tout ce qu'il y a de mauvais en prenant une décision qui n'honore pas sa personne, sa famille, ses amis, c'est toute une route. J'aurai des jours à le citer. Mais je ne le dis pas en sourd. Je le dis à quelqu'un qui a une vie et qui sait que la robe qu'il porte, il la doit à la vie. Monsieur le Président, les faits pour lesquels ces personnes comparaissent par devant vous, et parfois on a demandé par le biais de la représentante du ministère public de récalculer, en se basant sur l'article 631 de ce document pénal, on demande cette réqualification parce qu'on n'a aucun moyen de prouver les infractions pour lesquelles on fait comparer ces personnes. Les autres moyens, on sait qu'on ne peut pas les prouver. En désespoir de cause, on vous demande de réqualifier les faits. Je vais marcher sur la lame de l'éminent confrère sans les pencher pour dire qu'ils ont eu suffisamment de temps. Parce que cette procédure a été instruite régulièrement selon eux. Ils avaient encore le temps de le faire. Et comme ils n'ont pas trouvé de preuves, et qu'aujourd'hui, malheureusement pour eux, l'histoire va nous attraper. Il faut quand même trouver une parade pour vous mettre face à cette population, pour dire que ce n'est pas nous qui avons décidé. Nous, nous avons donné les moyens aux juges. Nous avons près de 64 ans d'existence aujourd'hui. Dans notre pays, nous avons continué à piétiner la sacralité de la vie. Dans notre pays, on a continué à détruire tout ce qui peut être force opposée. Qu'est-ce que ça nous a apporté? 64 ans de gâchis, monsieur le président. 64 ans où on continue à assassiner des gamins dans nos rues et cela ne remue pas un seul cheveu. 64 ans où notre conscience collective est à la poubelle. Tout simplement parce qu'on a laissé des gens penser à notre place. Monsieur le président, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et c'est ce que défend monsieur Fonikey. Lorsque je parle de Fonikey Manké, monsieur le président, la première image qui me vient à l'esprit, c'est ce 17 avril où il est interpellé, séquestré. Séquestré, monsieur le président, au moment où le monde se bat contre le Covid-19. Et
Et c'est à ce moment-là qu'on décide, lui, de le séquestrer et de le mettre à la maison centrale pendant que le Covid est entré à la maison centrale. Monsieur le Président, le Parlement, dans tous les États où on a un minimum de respect pour la vie, pour la dignité humaine, au moment du Covid-19, on a commencé à élaguer les prisons, en tout cas à sortir des prisons toutes les personnes qui sont là-bas pour des délits, qui peuvent trouver en tout cas une espèce de réparation civile, ou des personnes qui ont duré en détention. Mais figurez-vous que nous, notre système politique, Monsieur le Président, est un système politique où on s'amuse avec la vie humaine, où on s'amuse avec la conscience du peuple. Monsieur le Président, ces gens, ce sont des soldats du peuple. Ce sont des soldats du peuple, il faut avoir le courage de le dire. Pour moi, Fumiké Mbanguè est l'homme le plus respectable de ce pays, Monsieur le Président. Tout simplement parce qu'il a la conviction. Je ne peux pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, Monsieur le Président. Mais je suis d'accord avec les conditions politiques qu'il défend. Et ça, ça ne peut pas changer, Monsieur le Président, de 2019 à 2023, et je pense à 2026. Cela reste clair. Monsieur Ibrahima Diallo, voilà les gens qui ont décidé de sacrifier leur vie. On nous a dit dans cette salle, Monsieur le Président, qu'ils n'avaient pas à faire ça, qu'ils n'avaient pas à mener ce combat. Ça m'a fait un peu sourire, Monsieur le Président. J'ai pensé à Madiba, Nelson Mandela. Ce grand homme, pour moi, Nelson Mandela, c'est une icône. Une icône parce que voilà quelqu'un qui a fait de la prison, qui est sorti de prison, mais qui a préféré laisser le pouvoir parce qu'il avait des convictions. Il a dit, dans le procès de Livonia, il dit, j'ai lutté sans relâche contre la domination noire. J'ai lutté sans relâche contre la domination blanche. Et c'est un idéal auquel je suis prête à sacrifier ma vie. Est-ce que ça fait de lui un être humain au-dessus des autres? Non! Ça fait juste de lui quelqu'un qui avait des convictions et qui reste respectable. Son nom est marqué et gravé dans des lettres d'or, dans l'histoire du monde. Même celui qui a le plus insulté les Africains, Nicolas Sarkozy, qui nous a dit qu'on n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire, il dit quand même on a eu les obstacles de Mandela. Parce que ce n'était pas n'importe qui Mandela. Les idéaux qu'il défendait, monsieur. Si Mandela avait pensé à sa mère qui était malade, et qu'il avait pensé à son fils, Tembi, qui est décédé d'un accident grave quand son père était en prison, il a demandé qu'on le laisse sortir, Monsieur le Président, parce que dans la culture de sa communauté, c'était à lui de mettre son fils à terre. On ne le lui a pas accordé, Monsieur le Président. Mais au moins, il a fait toutes ces années de détention. Il n'a jamais regretté le combat qu'il a fait. Monsieur le Président, les Fumiké Mbanguè, les Ibrahima Diallo, moi, les Fatou Camara, y compris, et tous ces avocats, toutes ces personnes-là, je me permets aujourd'hui de citer certains qui sont morts. Je parle de Abdoulkadir Diallo, je parle de Diallo Diouzou, je parle de Maître Laouré, du Baboué Laouré, du médecin Foubert, de tous ces confrères-là. Monsieur le Président, nous ne défendons pas le FNDC pour des questions pécuniaires ou pour des questions de publicité personnelle. Nous le faisons parce que nous estimons qu'au regard de l'histoire, même si on nous mettait dans nos tombes demain, c'est un combat que nous ne regretterons jamais, Monsieur le Président. Parce que nous pourrons au moins regarder nos enfants, nos petits-enfants en face et leur dire « Oui, j'étais là ce jour-là. Oui, j'ai défendu ces personnes-là. Oui. Même si c'est la seule chose que j'ai eu à faire dans ma vie. Monsieur le Président, je suis quelque part un peu fier d'avoir contribué à leur combat, ou en tout cas de les avoir. La question de qu'est-ce qu'on fait de nos facultés de droit est une question qui est intéressante dans notre pays, Monsieur le Président. Très intéressante. Monsieur le Président, moi quand j'étais à la fac, je me rappelle qu'une fois, quelqu'un m'a demandé, un prof m'a demandé, mais pourquoi vous voulez faire du droit? J'ai dit, je veux sortir mon pays du trou dans lequel il est. Un gros trou béant où on piétine la conscience collective, où on tue impunément. Et ça, c'est pas parce qu'on veut dire des sanglants, M. le Président, c'est pas ça. On ne dit pas ça parce qu'on a envie de ternir l'image de ce pays.
l'audition sera rendue le mardi 13 juin 2020. Audience. Merci.